attend le coup de sifflet du chef de gare. Mais le chef de gare, ce qu'ils ignorent, a d'autres soucis pour le moment. Depuis un quart d'heure, il est là qui pleure devant son sifflet en s'écriant. Il marche pas. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je me demande ce qui m'arrive, il marche pas. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? C'est dramatique, vous ne rendez pas compte, regardez pas ce qu'on est en train. Ce n'est pas possible. C'est pas croyable, il marche pas. Mon sifflet est cassé. Alors vous savez quel est le règlement, il faut siffler quand on le fasse en âge. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Il n'y a pas de sifflet, mes pauvres dames. Mais qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, qu'est-ce que vous voulez, marche pas, je sais pas quoi faire. L'horaire, c'est l'horaire. On est très strict à la SNCF, vous savez, alors. Le train doit s'en aller. Il doit partir, ce train-là, vous vous rendez compte? Tous ces gens qui partent tous en vacances. Tous les voyageurs, par la fenêtre, agitent toujours leur grand mouchoir. Ah, là, bien, non, c'est plus dans le. Et le conducteur, là-bas, en tête. Et lui, c'est pas là-bas, attends-moi, toi, loulou. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce chef de gare? Et fais ce que je veux, mon sifflet marche pas. Et le chef de gare, à l'instant même. Oh, mais dites-moi. Je dis tout d'un coup, mais oui, c'est ça. Mais quelle idée germe-t-elle dans mon cerveau? Il manque la poule, la toute petite. Il n'y a pas de poule dans ce sifflet. C'est pour ça que mon sifflet ne marche pas. Le principe du sifflet qui a été inventé par Charles-Antoine Boujard est basé sur le système du vent qui heurte une boule. Vous trouvez une bille. Alors la bille, en s'agitant, ne fait qu'un son. Pas plus grosse qu'un petit poids. Maintenant, il faut une bille qui rentre dans le trou, là, voyez-vous. Mais que je suis bête. Oh, mais suis-je stupide, bon sang. Mais que je suis bête. Ah oui, mais j'ai pas pensé plus tôt, c'est vraiment alors là de l'aberration. Pourquoi ne pas mettre. Pourquoi est-ce que je mettrais pas un petit poids dedans? Après, petit poids. D'autant que ma femme me dit toujours, on a besoin d'un petit poids chez soi. Chez lui, mais par ma chance, vous m'attendez, hein, je reviens. Sa femme n'avait des poids cassés. Comment, pas de petits poids à la maison? Mais ça va pas la tête, non? Mais essaye de me faire ce coup de plusieurs fois, tu vas voir. Tu n'auras pas de soir, ta bise. Il brille le plus gros, et sans attendre, revint à la gare et puis siffla. Mais chose incroyable et inexplicable, la moitié du train seulement s'en alla. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ah, oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je vois, ce n'est pas possible. Avec mon cœur, il en manque la moitié. Mais que je suis bête. La première fois qu'un train s'en va comme ça. Mais que je suis bête. Il fallait que je mette deux petits bois cassés.